You're in the flow of things. Don't you know I was there with you? Somehow, somehow. Windows in the sun, I think I can see you. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce vlog documentaire film la pub comme vous voulez. Écoutez, aujourd'hui je vous emmène en Irlande. Sachez juste que c'est un vlog qui dure plus de 52 minutes. C'est 9 jours de vlog entier. Si vous êtes intéressé uniquement par une seule ville, et bien écoutez, je vous invite à vous rendre dans la description car tout est noté. Par exemple, si vous êtes intéressé uniquement par Belfast, et bien il y aura par exemple 53 minutes Belfast. J'ai un nombre au hasard, c'est pas du tout 53 minutes Belfast. C'est parti pour le jour 1. Bon vlog. Bonjour monsieur, merci, bon voyage. I was there with you somehow. Ok, bah écoutez, on est bien arrivé, donc là on est arrivé à l'hôtel avec donc une petite chambre plutôt sympathique. Enfin bon voilà. Et donc on arrive à l'hôtel et là on est allé manger un petit peu de poisson, un fish and chips qui est un plat d'ici un peu traditionnel, c'est le bœuf bourguignon irlandais. Et donc là on va descendre en bas dans le bar d'en bas et on va aller boire une Guinness. Bon allez, c'est parti, on y va. Là, il y avait des musiciens qui jouaient dans le bar. Je suis un peu sorti parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le bar. Donc là, je vais vous faire rentrer avec moi. Allez, c'est parti. Rise, rise.
là, il pleut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous le voyez à peu près à la caméra. Moi, j'arrive à peine à regarder à la caméra. Donc voilà, donc là, il pleut beaucoup. Voilà, Dublin, il pleut, voilà. Minus beats the plus. You said we were just lonely people, but I think it was about us. Ok, donc là on va rentrer dans ce qu'on appelle le Trinity College. C'est une grande université de Dublin qui est apparemment très importante à visiter. Là, on a une grande bibliothèque et tout ça. Et donc, comme d'habitude, eh bien écoutez, je vous emmène avec moi. Follow me now, there is somewhere I want to go. You know me well, and that is how it is. You don't know how this came to be. Trop droit de filmer, mais je vais quand même essayer de vous filmer un petit peu. Ici, c'est un livre qui a près de 2000 ans qui est conservé. Et donc on va aller le voir. C'est un livre qui s'appelle le Kells, le Book of Kells. Voilà. On va aller le voir. Follow me down, there is somewhere I want to go. Up on the stars or down below, 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 below. You don't know how this came to be. You don't know how this came to be. I want to go. Ok, salut à tous, c'est parti pour le jour 3. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu prendre un petit déjeuner. Et puis là, on est parti pour 3h30 de route pour aller aux falaises de Moher. Les falaises de Moher, ce sont tout simplement les plus grandes falaises d'Irlande, je crois. C'est l'un des meilleurs points de vue d'Irlande. Donc c'est à 3h de route de Berlin et on va dormir dans une petite ville qui s'appelle Galway. Voilà, Galway, Galway. Voilà, donc je vous emmène avec moi comme promis. Je pense qu'on va avoir des plans pas mal. Allez, c'est parti. On est arrivé à Cliff of Moher. J'ai mis un chapeau un peu ridicule, mais on va dire que le style, ça fait pas partie du jeu. Et en fait, à Cliff of Moher,
Bah, y a du brouillard, du coup on sait pas si on va voir quelque chose. En tout cas, c'est parti. Ok, bah en fait on voit pas grand chose, hein. Il fallait s'y attendre. Bon là apparemment, ouais si là quand même on voit quelques petits trucs sympathiques, attendez je vais vous montrer. Il y a quand même pas mal de vent, hein. Là on est un peu dans un moment calme. Voilà, là on voit les Cliffs of Moher, mais on voit pas grand chose quand même. Je sais pas si vous voyez le brouillard qui nous arrive dans la tronche. Mais bon. On va voir. Apparemment il y a des gens là-haut, vous devrez voir peut-être quelque chose. Mais enfin je sais pas du tout. Voilà, donc ça c'est la température d'ici. Voilà, alors là la route s'arrête ici. Après il y a un chemin qui continue. Mais vous avez vu le temps, et en fait là il y a un panneau avec marqué en gros que si tu continues, et eh ben si tu meurs, bah, c'est de ta faute. Donc moi je vais pas continuer, et on va repartir vers la voiture. On va aller se prendre une pinte, une bonne pinte. Ah. Il y a des gens qui font un truc vachement marrant, c'est-à-dire qu'ils prennent un bout d'herbe et ils le lancent. Et, normalement, si ça fait comme moi, bah, vous allez voir. Attendez, je vais prendre ce petit bout d'herbe et je vais le lancer. Bon, moi ça l'a pas fait, mais les autres c'est très très impressionnant. Et salut à tous. Alors là on a trouvé un petit point plutôt sympathique. Je vais vous montrer tout ça, hein, avec quelques images. Ouais, c'est parti. They say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. For your love, I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. C'est quand même un paysage lunaire, mais c'est vraiment super beau. On va essayer d'aller jusqu'à la mer. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va quand même essayer. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'ici on est pas très loin de l'océan Atlantique. En fait, il est juste en face de nous. Et l'océan Atlantique, comme beaucoup de monde le sait, je vais pas pouvoir continuer, je pense.
ça va être compliqué de continuer. L'océan Atlantique, comme tout le monde le sait, eh bien, il y a des grandes marées qui vont très très vite, qui peuvent aller jusqu'à aller à un cheval au galop. Je crois que, qu'il y a tout simplement que ça va pas tarder la marée. Donc je veux bien avouer que j'ai un petit peu peur, mais là comme je vois que je peux pas continuer, eh ben écoutez, c'est pas grave. C'est magnifique. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo, I'm making my way home, I'm making my way. Ok, salut à tous, jour 3 ou jour 4, je sais plus exactement. Hier on est donc arrivé à Galway avec un petit hôtel plutôt sympa. Je vous ai pas trop vlogué parce que c'était pas forcément super intéressant. On est allé aussi se promener à Westport. Là par contre j'ai pas amené ma caméra et j'ai un peu regretté parce que c'est une super ville Westport. Et donc en fait aujourd'hui eh bien on va aller dans un lieu qui est quand même plutôt mythique pour les Français on va dire. C'est le lac du Connemara. Alors le Connemara en gros, si je vous montre la carte, c'est un peu toute cette partie un peu avec des îles un peu partout. Aujourd'hui on va aller par ici et ce soir on va dormir à Westport. C'est parti. Alors j'avoue c'est un peu cliché, mais je vais quand même vous mettre la musique du Connemara de Sardou. Voilà, chanson française forever. C'est parti. Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de Limerick. Marine a dit oui. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de Quabois, trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Ok, là on s'est arrêté parce qu'on a vu un troupeau de moutons, les moutons à tête noire, typiques d'Irlande, qui sont très renommés pour leur laine. Et bon, comme vous pouvez entendre, il y a quand même pas mal de vent. Mais on va quand même les voir, il pleut un peu. Peut-être qu'il y a... J'espère qu'il n'y aura pas de gouttes sur ma lentille. Allez, oh, ils s'en fichent, on va faire doucement. Des pluies et du soleil, y ont pas de chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore
encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme. Voilà, donc là il pleut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va stopper l'escapade à mouton. J'ai réussi à prendre quelques vidéos et quelques photos. Allez. De la guerre là-bas au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois ni celle des rois d'Angleterre. Donc là on est arrivé à l'hôtel, on va dire, qui est plutôt joli, et on va aller réserver la chambre. Allez, c'est parti. Breakfast in the morning is from 8 o'clock until 10. On est arrivé dans la chambre, petite chambre plutôt sympathique. Bon voilà, on va aller sûrement manger un petit bout dans Westport, qui est une ville, une plutôt petite ville hein, pour l'Irlande. Et évidemment, bah, je vous emmène avec moi. Parti. Ok, jour 5 je crois. Ou jour 4. Bon bref, oui je sais, je vous avais dit hier soir que j'allais vous emmener un peu dans Westport tout ça, mais en fait c'était pas très intéressant, du coup j'ai préféré ne pas filmer parce que déjà le vlog va être long, donc si je mets des plans un peu inutiles, bah ça servira à rien. Aujourd'hui on va aller ce soir dormir en Irlande du Nord, et ce midi on va aller manger à Bangor, et il y a des paysages plutôt sympas, donc je vais vous montrer, on est en voiture et... Et donc ce matin on va se faire 2h30 de route, et cet après-midi on va se faire 1h30, ce qui nous fera quand même un bon trajet. Donc voilà, donc comme d'habitude, eh ben, écoutez, je vous emmène avec moi. Ben, c'est parti. On vient juste d'arriver dans une petite ville qui s'appelle Sligo. Et donc on est allé, on a fait bien 2h30 de route, un peu comme prévu. Et je vais vous emmener avec moi. On n'a pas forcément traversé des paysages fabuleux, mais je pense que cet après-midi ça sera mieux, on espère. Et donc je vais vous emmener avec moi à manger. C'est parti. Alors pour ceux qui savent pas, il y a deux types de formats de bière. Il y a la demi-pince que j'ai pris aujourd'hui, une demi-pinte de Guinness. Il y a la pinte. Ici la pinte se dit pint, et ici la demi-pinte se dit half pip. Voilà, c'était l'instant culture. Oh, today was just a day, and you dealt with it okay. But tomorrow is a boy who needs to run. You've seen it all before, and you've knocked on all the doors. But tomorrow is a funny looking one. Oh, everything is about to change, but I say, bring it closer to me. Oh, it's coming soon, like the spinning of the moon. In truth, it is already happening. Think back to the start, when we sang with bolder hearts, and the darkness wasn't even bothering. Oh, everything is about to change, but I say, bring it closer to me. Bring the storm and the blows and everything it knows. Ok, on est arrivé à l'hôtel, et en fait cet hôtel il est un petit peu spécial puisque c'est tout simplement un ancien manoir. Il y a pas mal de trucs un peu insolites hein. Donc bah, écoutez, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc là on est au premier étage hein. On commence sur le premier étage, c'est pas grave pour la logique. Voilà. Là on a une petite vitrine avec des oiseaux, et en fait dès qu'on marche, et bah, les oiseaux, et bah, ils bougent, ce qui donne un côté un petit peu flippant à la vitrine. Canapé, un peu original. Un renard, oh oh oh, un petit renard là, ça c'est cool ça. C'est pas pour rien que ma chaîne elle s'appelle le renard voyage ou le renard de l'high-tech. Je vous expliquerai un jour, promis. On a ici un tableau, enfin deux tableaux qui montrent la chasse avec des chiens. On descend les escaliers et là on arrive dans cette grande entrée où l'on est arrivé avec ce sol en damier. On a cette petite pièce
avec des coussins qui ressemblent un peu à l'emblème des Lannister dans Game of Thrones. Et un petit coffre aussi. Encore un oiseau empaillé. À droite, on a un salon avec plutôt sympa, avec des canapés. Bon, évidemment, c'est un style un peu, toujours un peu vidéo. On aime ou on n'aime pas. Bon, moi, je trouve que ça a quand même son charme. On a cette poussette avec ce bébé un petit peu glauque quand même. Hein. On va pas se le cacher. Là, on a un globe. C'est un globe un peu spécial parce que tout simplement, les reliefs, on les sent vraiment avec le doigt. Par exemple, là, je suis dans l'Himalaya, on voit qu'il y a quand même des assez grandes bosses. On est dans la pièce où on prend le petit déjeuner le matin, bon voilà. Avec deux, trois tables sympathiques. Puis, une vue directe sur le jardin. On va se rendre un peu dehors. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer tout simplement le manoir en lui-même. Vous le voyez derrière moi. Je vais vous le montrer et on va aller un peu se promener dans le jardin. C'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici on est en Irlande du Nord et du coup on est au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, les plaques d'immatriculation ne sont pas vraiment européennes. Ici, un petit côté Alice au Pays des Merveilles, mais comme je pense qu'il a plu, comme toujours un peu beaucoup, eh bien c'est tout mouillé par terre. Là-bas, il y a une petite ruche sympathique. Ici, là, on a un petit jardin à l'anglaise. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est que la différence entre un jardin à l'anglaise et un jardin à la française. Les jardins à la française sont très symétriques, un peu comme dans les châteaux du type Versailles, etc. Alors que les jardins à l'anglaise sont un peu asymétriques, avec des petits bancs, des petites statuettes, etc. Voilà, c'était encore une fois un point culture. Alors ça, j'en suis pas sûr, mais je crois, hein, que c'est un arbre d'érable. Je suis pas sûr, comme au Canada. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette journée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait des trucs de ouf, hein, concrètement. Cependant, je pense que demain, ça va être mieux. Parce que demain, on va aller jusqu'à une ville qui s'appelle Londonderry. Et entre Londonderry et ici, eh bien, je crois qu'il y a quand même des falaises de Donegal. Donc, je pense que ça va être quand même sympa. Donc voilà, donc je vous dis à demain. Et écoutez, c'est parti pour le jour 6, je crois. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas pris les clés. Non, j'ai pas pris les clés. Du coup, je suis dehors. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vais essayer de rentrer. On verra bien si demain j'aurai dormi dehors ou pas. Non, quand même, je pense que je vais réussir à rentrer. Je vous dis à bientôt et à demain pour le jour 6. C'est parti. Ok, salut à tous. Jour 6, je crois. On est parti de notre hôtel et là nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Donegal, qui fait donc partie du côté du comté de Donegal. C'est un peu une capitale de région. On va essayer de se balader un petit peu parce que ça, c'est une ville qui a l'air plutôt sympa. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Apparemment, on n'est pas tombé sur le bon jour, puisque aujourd'hui nous sommes tout simplement dimanche. Et dimanche en Irlande, même pour les touristes, tout est fermé. Voilà, voilà. Du coup, on pensait s'acheter un pull de Donegal, mais ça ne va pas être possible puisque tout est fermé. Voilà, c'était le point sur Donegal. Au final, on a trouvé un magasin. Mais je pense que c'est un peu un attrape touriste puisque chaque pull est à 165 euros. Voilà. Donc on en achètera à Belfast. Oh.
Ok, apparemment là il y a des chèvres qui se sont échappées. Du coup on s'est arrêté pour aller voir les chèvres. Là il y a un petit ruisseau plutôt sympathique. On va essayer de s'en approcher doucement. Parce qu'une chèvre qui te fonce dessus, c'est chaud quand même. Allez, des petits plans là. Hop. Oh, I ain't seen nothing like this before in my life. Oh, I ain't seen nothing like this before in my life. Oh, I ain't seen nothing like this before in my life. I need you so I want you in my dreams. Hold me close, I need you so I want you in my dreams. Ok, vous venez de voir les falaises, je sais plus leur nom, je mettrai le nom à l'écran. Vous venez de voir les deuxièmes falaises les plus connues d'Irlande, je crois. Et ça rattrape un peu la brume qu'on avait eue au Cliff of Moher. C'est très joli, mais ça monte. Je sais pas si vous avez vu, enfin voilà quoi, c'est vraiment très joli. J'ai pris les photos, j'ai d'ailleurs même pris la miniature de la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment... Ouh, j'ai failli glisser. C'était fou, vous avez failli avoir une glissade en direct, en live. Voilà. You see, I've come a long way for you, my love. You see, I've come a long way with you. Bonjour à tous, c'est parti pour le jour 7. Aujourd'hui nous allons aller visiter le lieu le plus mythique et le plus visité de l'Irlande du Nord, la chaussée des géants. Alors la chaussée des géants, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous allez voir très bientôt et je vais vous le dire quand même. C'est un espèce de regroupement de cailloux, comme on avait vu un peu à côté des falaises de Moher, mais normalement c'est mieux. Et donc je vous propose de me suivre. Le parking était plein. Du coup, on s'est mis sur une place interdite, mais comme on est des fous, on va rester ici, juste devant le panneau interdiction de se garer. Allez, c'est parti pour la chaussée des géants. Was it worth it for the view? It all looked good from up there. All the roses were in bloom, and there was pollen in the air. It all comes and goes. It all comes and goes. Oh, these woes. Thank you.
I put three daisies in the notebook. I watch the petals all fall out. It made a mark upon the paper, a mark that could not be rubbed out. It all comes and goes. It all comes and goes. All these c'était la chaussée des géants. J'espère que ça vous aura plu. C'était quand même assez joli. Il y avait quand même beaucoup beaucoup de vent. Il y a ma bonnette de micro qui s'est enlevée. Mais voilà, donc c'était la chaussée des géants. Là on s'est arrêté à un point de vue parce qu'apparemment il y a des falaises de calcaire juste en face de nous. Ah oui, ça y est, je les vois. Et c'est plutôt sympa, je pense pas que je vais réussir à vous filmer grand chose parce qu'elles sont quand même assez loin. Mais bon, on sait jamais. Après là on va reprendre la route et on va aller manger dans une petite ville qui s'appelle Newcastle, un truc comme ça. Voilà. Allez, on y va. All the roses were in blue. And there was pollen in. Hello. Hello. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui c'est le premier jour où il fait beau. C'est à dire que c'est le premier jour où l'on voit du ciel bleu. Et oui, regardez ça. Ça faisait 7 jours, une semaine qu'on n'avait pas vu le moindre petit bout de ciel bleu. Et donc là, il fait clair. On est content. Put three daisies in the notebook. I watch the petals all fall out. It made a mark upon the paper, a mark that could not be rubbed out. It all comes and goes. Et bienvenue pour ce 8e et dernier jour en Irlande. Aujourd'hui nous sommes à Belfast
Nous avons dormi hier soir à l'hôtel, nous sommes un petit peu promenés et apparemment Belfast, bah en fait c'est pas super. C'est-à-dire que c'est une ville normale, tout est normal ici. Il n'y a par exemple pas de centre-ville, il n'y a vraiment pas beaucoup de pubs comparé aux autres villes qu'on a pu visiter. La circulation est normale, le fleuve est normal, les ponts sont normaux, les immeubles sont normaux. Enfin bon bref, tout est normal. Mais bon, on va quand même essayer d'aller un peu visiter parce qu'on a prévu une journée entière ici à Belfast. On y va, c'est parti. Là nous sommes dans le Victoria Square qui est le centre commercial principal de Belfast. Alors Belfast en fait c'est pas une aussi grande ville qu'on pourrait croire parce que Belfast a la même population quasiment que Nîmes. Là nous sommes tout en haut du Victoria Square où il y a un énorme point de vue car nous sommes dans un dôme et il y a un énorme point de vue sur tout Belfast. Je vais vous montrer ça en image. Donc là je vais vous expliquer un petit peu où on est au musée du Titanic de Belfast parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire et apparemment ça c'est le mieux qu'on puisse faire à Belfast. C'est un musée où on va retracer toute l'histoire du Titanic, pas seulement du film Titanic que tout le monde connaît. Mais donc c'est vrai que le Titanic a été construit et est parti de Belfast, donc je sais pas si ça va être intéressant. Ça a l'air d'être une plutôt grande structure, enfin on verra bien. On va commencer immédiatement. Ok, comme vous avez pu voir, on a un peu visité le musée. Et maintenant, nous allons prendre cette espèce de chose, cette espèce de wagon suspendu pour aller. Bah, en fait, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va prendre cette espèce de wagonnette suspendue et que je pense que ça va être plutôt pas mal. Ça y est, on est monté dans le wagon. On est suspendu, on voit plein de petits trucs. Je vais essayer de vous montrer tout ça, je sais pas ce que ça va rendre, je sais même pas si vous m'entendez. Je pense que oui quand même. Allez, c'est parti. On vient de finir la visite au musée du Titanic et maintenant on va aller voir un peu un complément de la visite. C'est un bateau qui ressemble pas trop au Titanic mais un petit peu puisque c'est un bateau quand même. D'ailleurs on se demande sur quoi il... Ah bah oui, c'est un bateau qui ne flotte pas. Il est tenu par des blocs de béton et donc voilà, on va aller à l'intérieur. Ok, bah écoutez, on vient de terminer la visite. Dans le parking. Écoutez, c'était la dernière visite irlandaise. Demain, on a notre avion à 14h et quelques. Je vais quand même vous montrer un peu le trajet, mais vous en avez déjà bien assez vu à l'aller. J'espère que toutes ces visites irlandaises vous auront plu. Bah écoutez, c'est parti pour ces petites choses, ces derniers instants en Irlande. With Captain Farrell and his money he was counting. I
horse produce me pistol, and I then produce me rapier. Take stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the doodle-da, why call the daddy-o, why call the daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his money, and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering dum doo dum da. Wife all the daddy-o, wife all the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went into my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges, and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering dum doo dum da. Wife all the daddy-o, wife all the daddy-o, there's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier. But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering the doo dum da. Wife all the daddy-o, wife all the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a rolling, and others take the light in the Harley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering dum doo dum da. Wife all the daddy-o, wife all the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than